La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia. Il y a la victoire pour tous les enfants de Dieu s'assemble. La gloire de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia, il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Elle est là, elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Alléluia, il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Éternel, tu es vivant, notre Dieu. Papa, en dehors de toi, nous n'avons pas un autre Dieu. Seigneur, tu es la pierre rejetée qui est devenue cette pierre angulaire. La seule pierre capable de supporter toute la maison. Seigneur, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons implorer, Seigneur Jésus, ta bonté sur nos vies. Parce que ta parole déclare, mon Dieu, mon roi, tes bontés ne sont pas épuisées. Seigneur, ce matin encore, tu vas te glorifier, ô Éternel, dans la vie de chacun de nous ici présents. Seigneur, par la parole qui sortira, cet esprit, enseigne-nous et papa, édifie-nous, ô Éternel. Nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons, ô Dieu, suivre la vérité. Nous voulons marcher dans la justice. Seigneur, ton esprit seul, capable de nous dire la vérité. Seigneur, nous ne voulons pas nous confier dans l'orgueil humain, dans la sagesse d'homme. Seigneur, ce matin, je prie, mon Dieu, mon roi, étant dans la chair, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas soit effacé, ôté de moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole qui sortira soit une parole pure de vérité que le Saint-Esprit enseigne à tes enfants. Ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, que je sois également fortifié, Seigneur, rempli de ta puissance et de ton esprit pour transmettre fidèlement, Seigneur, ta parole. Seigneur, que je ne puisse... Ô mon Dieu, mon roi, ni ajouter et ni diminuer. Seigneur, que cette parole qui sortira, ô Dieu, qu'elle soit une parole d'impactation de vie. Ô Seigneur, afin que notre vie, notre comportement de tous les jours change. Seigneur, viens combler le vide. Ô nombreux sont tes enfants, Seigneur, assoiffés de ta parole. Seigneur, lorsqu'elle sort, elle atteint toujours l'objectif. Seigneur, ce matin encore, nous sommes rassurés. Seigneur, nous qui sommes ici, ceux-là également, qui nous suivent à distance. Seigneur, que ta parole qui sortira, ô mon Dieu, mon roi. Papa, elle va combler un vide. Elle va apporter un changement dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une sœur. Seigneur, glorifie-toi encore ce matin. Seigneur, je prie que les églises et les cieux s'ouvrent, que la fraîche rosée tombe sur nos vies en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, bien-aimé, on peut s'asseoir, prendre un temps
et être bien disposé devant le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant qui nous enseigne ce matin. Il voudrait toujours, en ce temps de grâce qui est ignoré par nombreux chrétiens, de nombreux chrétiens et de nombreux incroyants, des païens, dont les cœurs même sont d'ailleurs endurcis. Le Seigneur ce matin nous appelle à la vigilance, toujours rester dans la vigilance, surtout en ces temps qu'on appelle les derniers jours de l'année, les derniers mois de l'année, selon le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous, les enfants de Dieu, en premier, nous devons être les bénéficiaires de ce conseil, les bénéficiaires de l'exhortation qui vient du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, bien-aimés, ce temps qui commence, c'est le temps de décembre. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre 2023. Et, comme d'habitude, nous nous rappelons de notre enfance. C'est un mois où on commence à aiguiser, je ne sais pas, nos armes, si on peut le dire ainsi. Les répétitions des chorales par là, l'apprentissage des nouveaux chants par-ci. Et c'est les parents, c'est le lieu également pour les parents d'aller des kilomètres à kilomètres pour chercher, je ne sais pas, un animal, soit un bœuf. D'aucuns s'associent, hein, peut-être 25 000, 30 000 pour pouvoir acheter un bœuf. Voilà, d'autres, d'aucuns les porcs, les chèvres, les moutons, les plus pauvres se contentent des poulets, des coqs et autres. Alléluia. Ceux qui n'en ont même pas du tout voudraient être dans le respect du siècle présent, vont aller au marché s'acheter un kilo de viande pour que absolument ces jours, c'est des jours de fête. Alléluia. Ce matin, nos bien-aimés, ces choses dont le Seigneur voudrait nous dire, il n'est pas d'accord avec notre manière de faire. Et je dis ainsi parce que ce sont des choses, chacun d'entre nous était quelque part. Est-ce que même le plus jeune qui est parmi nous, il n'est pas venu, il n'est pas né dans la sainte doctrine. Alléluia. Donc nous tous, nous savons de quoi il est question lorsqu'on parle de décembre. Et parfois, c'est un moment où il y a même, ça provoque même les divorces. Gloire au Seigneur Jésus, et beaucoup d'autres dérives. Donc, notre thème de ce matin porte sur les distractions du siècle présent, les fêtes mondaines, alléluia, ou alors les fêtes tout court, les fêtes, les distractions du siècle présent. Nous, que lorsque le thème est donné, inspiré du Saint-Esprit, il nous appelle forcément à nous, à recadrer notre manière de vivre, bien-aimés, parce que lorsqu'on parle de distraction, quelqu'un veut voir, mais est-ce que de quoi il est question? Est-ce qu'on est en train de danser? Est-ce qu'on est en train de... Et effectivement, lorsqu'on parle du siècle présent, le Seigneur voudrait nous ramener dans une sorte de confinement sur le droit chemin, c'est-à-dire être canalisé sur un chemin. Comme le chant nous dit, le chemin est périlleux, difficile, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, c'est comme un labyrinthe. Nous devons marcher, bien-aimés. Labyrinthe, c'est quelque chose dont qui peut se rompre à tout moment. C'est-à-dire d'un couloir compliqué, alléluia. Quand tu ne marches pas bien, tu glisses, ta vie est finie. C'est ça qu'on appelle labyrinthe. Amen. Il y a des gens qui s'amusent à parfois jouer, à courir sur une planche. Vous voyez une planche suspendue en l'air. Ils marchent sur ça. Ça veut dire que là où tu es, moindre chute, tu sais ce qui t'attend. Alléluia. Les labyrinthes, c'est un peu ça. La vie d'un enfant de Dieu, avant qu'il ne se glorifie dans ce labyrinthe, parce que dans ce labyrinthe également, il y a la liberté. Alléluia. Il y a la liberté dans ce labyrinthe. Parce que lorsque tu vas t'habituer avec
la manière de vivre dans ce labyrinthe, tu vas découvrir une grande liberté. Amen. Donc le Seigneur voudrait absolument nous ramener, tel qu'il nous a puisé de là où nous étions avant, d'être confinés dans un labyrinthe. Et marcher dans ce labyrinthe, c'est respecter les recommandations du Seigneur. Alors, mais il se peut que pour rester dans ce labyrinthe, tu ne dois pas être distrait, frères et sœurs. Tu ne dois pas être distrait. Parce que la moindre distraction, regardez comment un maçon ou alors un menuisier qui est en train d'utiliser le marteau et le clou, il ne doit pas regarder à gauche, entre temps il est en train de taper le marteau. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se cogner le doigt. Alléluia! C'est exactement ça, frères et sœurs. Les femmes aussi savent, quand elles sont dans la cuisine, elles sont tellement attentives, surtout quand elles ont mis un peu de viande là au marché, au feu, en train de frire. Alléluia! Elles ne vont pas s'éloigner, et puis même quand tu es en train de babader, attends d'abord, j'ai ma marmite fufu. Alléluia! Parce qu'elles peuvent se lancer dans tes commentaires là, alors, de l'autre côté, ça brûle. La maison également va prendre feu. Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus, parce que quand le mari va rentrer, ça ne va pas être tâche facile. Alléluia. Amen. Donc, pour ne pas être distraite, elle se concentre pour sa cuisine. Ou alors, le menuisier est concentré sur la tâche qu'il est en train d'accomplir. Parce que moindre erreur, ça va, n'est-ce pas, tomber dans l'eau. Grave encore, pour les sculpteurs, comment on l'appelle, les gens qui arrangent le bois, ils taillent les images, que nous-mêmes, nous, le Seigneur est contre. Ils sont tellement attentifs, ils sont en train de faire les dessins. Parce que, après avoir peut-être même fait un mois sur une œuvre, il y a peut-être un petit endroit, s'il fait une petite erreur, l'œuvre est dans l'eau. Alléluia. Ça veut dire que c'est un mois, deux mois, parfois même d'autres six mois, ça tombe dans. Alléluia. Le Seigneur voudrait exactement nous dire la même manière. Ce sont les distractions qui amènent qu'on échoue dans la vie. Dans toute chose, lorsqu'on est focalisé sur un objectif, avec précision, avec objectivité, on réussit, n'est-ce pas, à atteindre. C'est l'objectif que nous recherchons. Mais les chrétiens aussi le doivent. Parce que le Seigneur nous parle des distractions. C'est des choses qui attirent notre attention ailleurs, qui amènent notre attention hors de l'objectif. Et il y a problème, bien-aimé. Il y a problème. Le Seigneur voudrait nous confiner, n'est-ce pas, dans son couloir, pour que nous puissions rester concentrés. Nous puissions rester focus, comme on dit souvent en anglais. Focaliser notre attention sur l'objectif. Et c'est un conseil de vie. Bien aimé, lorsqu'on n'est pas attentif, lorsqu'on n'est pas concentré sur sa chose, sur ce qu'on est en train de faire, l'échec n'est pas loin. L'échec n'est pas loin. Amen. On est dispersé dans l'esprit, l'échec n'est pas loin. C'est des choses connues. Même quand tu es dans la prière, ta tête est là-bas. Tu es en train de penser à je ne sais pas quoi moi, ta nourriture qui est à la maison. Tu es en train de penser à je ne sais pas, gagner un 1 000 francs quelque part. Pensez à ceci. Mais le Seigneur voudrait de la concentration. Ceci pour nous dire, les distractions du siècle présent sont, n'est-ce pas, des œuvres infructueuses de Satan de ce dernier temps. Et voilà, les fêtes sont un élément important. Dans ce siècle présent, tous ces jours dans les fêtes, alléluia. Parce qu'en voulant fêter, bien aimé, il y a beaucoup de péchés que tu vas commettre dans ce péché-là. À commencer d'abord par immoler un mouton. À commencer d'abord à égorger une chèvre. Le sang que tu verses là, c'est pour qui, frère? Le sang là, toi-même là, tu ne peux pas manger le sang. Mais tu égorges le mouton, là, le sang, la verse, là, pour qui? Alléluia! C'est pour quelqu'un. C'est par là d'abord.
Et toute autre chose que tu auras acheté en ce temps-ci, soit pour préparer ta fête de décembre. C'est des choses déjà envoûtées. Alléluia. Faut faire très attention en ce moment. Tout ce que tu vas acheter pour dire c'est pour la fête. Tout est déjà envoûté au marché. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être prudents, extrêmement prudents dans ce temps-ci. C'est un temps mauvais. Alléluia. Nous ne devons pas perdre de vue. Même ce que nous irons aller, nous irons acheter. Il faudra beaucoup de prières sur ça. Ne pas aller trouver là, tu prends, tu manges, tu prends à gauche, tu avales, sans même prier. Tout est déjà envoûté. Les semences du diable. Tout est déjà posé sur ces articles que vous voyez au marché. Alléluia. Et c'est en ce moment où Satan cherche encore à endurcir davantage le cœur des hommes pour ne pas entendre la voix de Dieu. Amen. Et quelques brebis galeuses dans la maison du Seigneur vont même se retrouver dans, n'est-ce pas, ce piège tendu. Et les fêtes, nous les connaissons, fêtes de Noël qui s'approchent. Et les nouvelles en va suivre. Ce sont les fêtes proches. Alléluia. Et plus tard, on va parler d'autres. Et chaque fête que vous voyez, qui ne glorifie pas le Seigneur, il y a un esprit puissant qui se cache derrière. Et toi, tu prends plaisir à cette fête, automatiquement, tu es possédé. Alléluia. Tu es possédé, bien-aimé. Laisse-moi te dire, toi qui fêtes Noël, il y a un esprit dedans. Le Dieu du soleil, que les gens, les divinités, que les incroyants faites sans le savoir. Toi qui te dis chrétien, mais tu es un religieux. Tu parles de Jésus, mais tu n'as pas Jésus en toi. Parce que Jésus hait ces choses. Il hait les fêtes. Il n'est pas dans ces fêtes. Mais c'est en ce moment que toi, qui te dis chrétien, tu cherches maintenant à dire que tu veux plaire au Seigneur. Donc, durant un an, tu n'as pas cherché à plaire au Seigneur. C'est maintenant que toi, tu veux fêter l'anniversaire de Jésus-Christ. Il est mort, ressuscité. Il n'a pas besoin d'un anniversaire. Alléluia. Et beaucoup d'autres fêtes, telles Assomption, Ascension, Toussaint, Halloween, fête des pères, fête des mères, poisson d'avril par là. Et chaque fête n'est pas une fête au hasard. Et même toi qui fêtes l'anniversaire, bien-aimé, l'anniversaire, c'est renouveler les alliances de ta naissance. Alléluia. Parce que le jour où tu es né, les esprits se sont invités. Parfois, tes parents ont invoqué certains esprits, certaines pratiques et qui ont possédé ta vie, qui restent toujours. Une bougie de plus, c'est augmenter la puissance fois deux de ces démons dans ta vie. Deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Les gens sont à 101 bougies maintenant. Ça veut dire que les esprits qui règnent dans ce corps, ils sont incontables. C'est des légions. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Il faut donc qu'on fasse très, très attention avec l'anniversaire que nous fêtons. Amen. Et comme je dis toujours, dans ces fêtes, c'est là où beaucoup de choses se passent. Vous allez voir en versant d'abord le sang, on offre un sacrifice à un démon que nous ne connaissons même pas. Alléluia. Oui, beaucoup sont innocents, ils ne savent même pas. Mais ceux-là qui ont institué cette fête, ils savent ce qu'ils font. Gloire au Seigneur Jésus. Mais les hommes sont prêts à dire que, mais ici là, ce sont les sectes, là-bas là, ce sont les sectes. Ils sont prêts à identifier ce secte. Mais il y a cette secte-là que les yeux n'arrivent pas à voir. Alléluia. Seul l'Esprit de Dieu nous fait comprendre et nous fait identifier ces sectes cachées. La magie blanche cachée dans les églises. Elles sont là. Bien-aimés, toi qui veux marcher dans la sainteté, il faut faire attention et veiller sur ta vie. Chaque jour, priez l'Éternel. Priez le Seigneur pour qu'il te révèle la face cachée des magies qui sont dans les églises. Alléluia. Toute église prononçant Jésus, Jésus, n'est pas forcément des dieux. Amen. N'est pas forcément une vraie église. Gloire au Seigneur Jésus Christ. Amen. Mais c'est une église révélée par la puissance du Saint-Esprit où on prêche effectivement la vérité, la sainte doctrine, la pure parole de l'Éternel
c'est là où on peut parler de l'église du Seigneur, où lui-même s'est glorifié par une église. On part verser, on part égorger tout le temps, verser le sang pour célébrer d'autres esprits, d'autres démons. Gloire au Seigneur Jésus. Nous devons, bien aimé, dans ces derniers temps, faire donc très attention à ces fêtes dont je venais d'énumérer. La fête de Noël, dès décembre, quand nous sommes là, dans le mois où nous sommes entrés. Les gens sont à plein fouet. Ils sont entrés jambes, tête, qui est tout le bas dedans. C'est les préparatifs. Les marchés battent leur pain en ce moment. Les animaux sont en train d'être réservés pour être immolés. Appelons même ça immolation. Alléluia. Parce que ces jours, toi, chrétien, qui te dis, ah, mes enfants, voilà, comme ils ne doivent pas manger le repas des fêtes de Noël, moi aussi, je leur égorge un mouton à la maison. Qui t'a demandé d'égorger le mouton à la maison ce jour? Alléluia. C'est la même chose. Toi également, tu es en train de fêter. Amen. Parce que ce jour, cette divinité descend. C'est pour boire le sang. C'est pour voir ce qu'on a fait pour elle ce jour. Alléluia. Mais toi également, quand tu fais quelque chose pour faire plaisir à tes enfants, parce que les voisins sont en train de fêter, toi-même, tu es dedans. Alléluia. Toi-même, tu es dedans. Frère, tu dois donc faire attention. Surveiller ta vie. C'est pourquoi nous parlons des distractions du siècle présent. Elles nous entourent au jour le jour. Et ce sont des distractions. Elles nous perdent le temps. Elles nous perdent le temps. Imaginez que tu devrais avancer. Le Seigneur devrait se glorifier en toi. Mais le fait que tu ailles toujours te mélanger avec ces gens. Tu ailles, n'est-ce pas, tu pars d'abord célébrer ce Dieu du soleil là. Hein? La reine du ciel, tu peux leur offrir ce sacrifice. Mais le retour est un peu difficile, alléluia, pour que le Seigneur, que tu te retrouves au moment, au niveau où le Seigneur t'avait déjà situé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, chrétiens, c'est un message de mise en veille, frères et sœurs. Lisons Amos 5, le verset 21. Là où le Seigneur nous dit ce que nous sommes en train de vouloir faire. Les humains sont en train de faire en ce moment. Oui, ils sont en train de s'apprêter pour célébrer parce que c'est presque toute l'humanité. C'est des fêtes communes. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, disons Amos 5, le verset 21. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire au sujet des fêtes? Est-ce que le Seigneur est d'accord de ce que nous nous apprêtons à faire? Bien-aimé, fais-nous la lecture. Amos 5, le verset 21. Oui, je lis la parole au nom de Jésus. Ouais. Je hais, je méprise de vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Oui. Quand vous me présentez les holocaustes et les offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Oui. Et le veau engraissé que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Oui. Et loin de moi le bruit de tes cantiques. Oui. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Oui. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau. Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amen. Alléluia. Amen. Au Seigneur Jésus. Alléluia. Si nous revenons un peu au début, de nous remontons un peu au verset 18, frère. Le Seigneur attire notre attention et nous dit, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? C'est-à-dire, les gens, ils passent une semaine, des fois, sans prononcer le nom de Jésus, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est disant, nous voulons attendre le jour du Seigneur. Quel jour du Seigneur encore? Mais chaque jour n'est-il pas jour du Seigneur, mes frères et sœurs? Chaque jour de notre vie, c'est le jour du Seigneur. C'est pourquoi il dit, qu'attendez-vous du jour du Seigneur? Il sera ténèbres et non lumière. Alléluia. Le jour dont tu attends là. Ça peut être un jour du démon, un jour de Satan. Ce n'est plus forcément ce jour des lumières.
Gloire au Seigneur Jésus. Oui. Ah, la volonté de Dieu, c'est chaque jour. La célébration à l'Éternel, c'est chaque jour. L'adoration au Seigneur, c'est chaque jour. La louange qu'il faut donner à Dieu, c'est chaque jour, frères et sœurs. Pour nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'attendre un jour. Comme disent les chrétiens d'une, comment on les appelle, on parle du septième jour. Les sabbatiques, les sabbats. Alléluia. Oui, donc, tous les autres jours, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Ce n'est que ce jour-là où Jésus-Christ descend. Alléluia. C'est ainsi, c'est ce que ça veut dire au début. Et loin de nous-mêmes d'abord les fêtes. Ça, il nous parle d'abord, nous les chrétiens, ceux-là qui se disent chrétiens dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire de célébrer, c'est tous les jours. De ne pas attendre un jour pour le célébrer. Ça veut dire, nous attendons six jours. C'est le septième jour que nous nous présentons devant lui. Nous sommes en erreur. Oui, nous sommes en erreur. Il dit, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbre. Ce n'est plus la lumière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un loup. Qui rencontre et que rencontre un ours? Alléluia. C'est-à-dire, je voudrais traduire ça de manière simple pour que quelqu'un comprenne. Amen. Oui, c'est-à-dire, la pluie, il commence à pleuvoir. La pluie t'a trouvé quelque part. Nous, on faisait ça, ça nous rappelle notre enfance, hein, mais excusez-moi, alléluia. C'est-à-dire, on est en train de regarder les chèvres, vous voyez comment une forte pluie qui avance, ça vient nous chercher. C'est en ce moment-là que nous courons pour aller nous jeter dans la rivière. Alléluia. Nous allons nous jeter dans la rivière. Pour dire que la pluie ne doit pas nous toucher. Alléluia. Pour que nous ne devons pas nous mouiller. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît dans ce jeu-là. Alléluia. Oui. On fuit la forte pluie qui vient là. Merci pour aller nous cacher dans la pluie, dans la rivière. Mais là-bas, là, il n'y a pas l'eau. C'est la même. Oh, alléluia. Que ce soit la pluie, que ce soit la rivière, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est ainsi. Le Seigneur nous dit, ce jour, oui, tel que les gens attendent son jour, attendent son jour-là, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Tu vas fuir le lion ici parce que le lion va te manger, tu vas tomber dans la gueule d'un ours. Mais est-ce que l'ours là va te laisser tranquille? Lui également, il va te dévorer. Alléluia. Il va te dévorer. Croyant que tu es en train de te sauver, tu es encore en train de t'enfoncer. Amen. Et le Seigneur voudrait nous enseigner quelque chose derrière ça, bien-aimé. Donc, n'attends pas un jour pour le célébrer, pour dire que bon, ce n'est que ce jour-là où je vais trouver le salut. Mais ce salut-là peut être un salut amer. Un salut amer, frères et sœurs. Un salut dégoûtant, un salut qui va te conduire dans un feu éternel. Alléluia. C'est vaudant mieux encore célébrer Jésus-Christ chaque jour de ta vie. Gloire au Seigneur Jésus. N'aie pas attendre seulement ce jour-là, parce que ce jour est ténèbre et non la lumière comme toi tu le penses. Oui. Au lieu que tu te fasses mouiller par la pluie, là, un peu, peut-être la pluie même va s'arrêter. Toi, tu voudrais te jeter dans la rivière. Est-ce que tu connais ce qui se trouve dans la rivière? Le crocodile, il y a l'hippopotame, les serpents même se cachent là-bas. Amen. Oui. Et là-bas, tu ne vois même pas. Là, la pluie, au moins, tu as les yeux, tu peux encore regarder comment ton corps est en train de se mouiller. S'il y a même un danger, tu peux voir. Mais là où tu peux te jeter dans la rivière, là, frère, c'est dangereux. C'est ça que l'idée de ce message. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, ça c'est le premier point pour bien comprendre là où nous sommes en train d'avancer. Oui. Et nous avançons. Le Seigneur, la parole va continuer à dire, qui gagne sa demeure appuie sa main sur la muraille. Alléluia. Oui, qui gagne sa demeure appuie sa main sur la muraille. Alors, ici également, c'est simple, frère. Voilà un mur. Il y a des moments où il peut un peu bouger. Alléluia. Mais tu veux que le mur là reste debout. Tu vas faire comment? Tu dois poser ta main pour le soutenir. Hein? Afin que le mur reste intact. Peut-être que d'autres personnes viendront t'aider pour redresser ça après.
Ça veut dire que quand tu veux aller loin, nous disons, ménage ta monture. Ah, ce n'est pas seulement le jour où tu veux grimper sur la montagne, que, ou alors, je ne sais pas, tu n'as jamais grimpé une montagne. Alléluia. Mais tu voulais déjà atteindre le sommet le même jour. Hé, frère, si tu parviens à arrêter là-bas, je arrive là-bas, je crois que tu ne vas plus réussir à descendre. Amen. Ça, c'est connu. On doit se préparer. On doit se préparer doucement, 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 afin d'atteindre un jour le sommet. C'est ça, la parole de Dieu. Ce n'est pas un jour comme ça où on saute un jour, on part, on dit que non, c'est tel jour seulement que ça va se passer. Et si nous tombons dans, n'est-ce pas, ce que le Seigneur dit, le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière, n'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais donc, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Et c'est pour nous, enfants de Dieu. Or, nos assemblées sont là, nous devons les vibrer. Nous devons les faire vibrer. Nous devons les faire secouer. Nous devons les vivre le feu. Tous les temps, alléluia. Tous les temps dans la maison du Seigneur. Ça doit chauffer pour la gloire du Seigneur Jésus. En termes de prière, en termes de louange. Oh, quand j'apprécie, je vois certains adorateurs. Amen. Je voulais seulement entrer dans là où je suis en train de voir pour être avec eux là-bas. Alléluia. Parce que ça chauffe. Tu vois comment une assemblée bouillante, là, les fidèles transpirent, ils ne regardent pas comment ils sont en train de, je ne sais pas, ils sont dans l'esprit. En esprit, ils sont tellement loin, connectés au Seigneur. Mais c'est le corps, Seigneur, qui offre, le corps qui offre un sacrifice vivant au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ça que le Seigneur attend de nous, chaque jour. Il ne veut pas seulement un jour de fête, frères et sœurs. Est-ce qu'il ne ressent pas nos assemblées? Il ne ressent pas, c'est-à-dire le Seigneur ne ressent même pas qu'il y a une assemblée de Dieu. Mais on vient offrir le sacrifice le jour des fêtes. Nous calculons un jour. Alors, à quoi ça va ressembler? Qu'est-ce que ça va ressembler? C'est comme quelqu'un t'attend, il t'attend, tellement qu'il est fatigué pour que tu lui offres un petit cadeau. Oui. Et maintenant, ce jour, tu viens lui offrir même quelque chose dont il n'a même jamais, il ne pensait même pas que ça peut être, c'est-à-dire tellement minable. Alléluia. Qui ne comble pas ces longues attentes de passer des nombreux jours qu'il a passé à t'attendre. Alléluia. C'est comme si tu le méprises. C'est ça. Nous attendons un jour pour célébrer le Seigneur. Ça, les chrétiens, d'abord doivent le savoir. Pour nous, les chrétiens, la célébration du Seigneur Jésus-Christ, c'est tous les jours. C'est là où nous célébrons Pâques. Le Seigneur nous dit, votre Pâques, Jésus-Christ, votre Pâques a été immolé. Alléluia. Nous sommes, Jésus-Christ vit, ressuscité. Il vit. Nous devons le célébrer chaque jour de notre vie. Oui. Chaque jour, notre Dieu vit. Pourquoi attendre un jour consacré pour lui? Quelle fête encore? Comme aujourd'hui là, c'est un jour de fête pour nous. Alléluia! C'est un jour de fête. Le Seigneur dit donc, vos fêtes que vous organisez, là, c'est pour vous. Et pour vos démons, vos dieux là-bas, c'est pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il dit, je ne puis ressentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Vous voyez, c'est ce jour où on porte le gros costume de 200 000, de 500 000. On vient offrir les 200 000 d'offrandes. Parfois même on amène les chefs, on amène ceci. Mais c'est dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Nous devons offrir cela tous les jours. C'est là où le Seigneur se glorifie. Ce n'est pas attendre comme c'est un jour de fête que nous sommes bien habillés. On présente. On va devant, on marche majestueusement, grand. On marche. On peut déposer. Tout le monde est en train de regarder. Ce n'est pas ça. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ces choses. Oui. Les holocaustes et autres, tout ce que nous faisons au front. Ces jours, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Le Seigneur
voudrait écouter, mieux écouter. Tous les jours, il voudrait nous écouter. Ce n'est pas les sacrifices que nous offrons les jours de fête et autres auxquels le Seigneur doit prendre plaisir. Le Seigneur veut t'entendre, frères et sœurs. Chaque jour, il veut nous écouter. Devenir chaque jour devant lui. Descendre chaque jour devant l'Éternel. Ce n'est pas attendre un jour pour venir offrir un sacrifice. Faites. C'est le sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas ça. Lisons Ecclésiaste 5, le verset 1 seulement, frère. Ecclésiaste 5, le verset 1 uniquement. Nous allons comprendre quelque chose. Ecclésiaste 5. Après, nous allons lire Jérémie. Ecclésiaste 5, le verset 1. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Oui. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Oui. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer avec Jérémie 10, le verset 2? Ouais. Jérémie 10, le verset 2. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Limitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Alléluia. Amen. C'est les distractions du siècle présent. Alléluia. Où les hommes sont en train de, vous voyez, maintenant le cœur est en trouble en ces jours-ci. Allez, décembre 6, c'est un mois où tout est en ébullition. Tout est en, comment le mouvement est même presque incontrôlable et incontrôlé de notre vie. Allez, ce qui se passe quand tu regardes autour de toi, c'est comme si les gens ont des troubles de comportement. Amen. Ils craignent ce jour, comment il va se passer. Si c'est une femme, elle remet son vêtement, elle cherche la chaussure. Le papa est en train de se dire, mais est-ce que je peux réussir à plaire à mes enfants? Je peux réussir à plaire à ma femme? Je peux... Voilà autant de questions que les gens se posent. Et du coup, il y a des troubles de comportement. Les gens paniquent en ce moment. Ils ont la crainte. Comment ce jour va se passer? Comment c'est? Hey, frères et sœurs, si on pouvait craindre ainsi le jour de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons nous préparer ainsi pour attendre l'avènement du Seigneur, le jour de l'enlèvement. Ça devrait être merveilleux pour nous tous, frères et sœurs. Ça devrait être vraiment merveilleux. Mais les gens sont occupés. Ils sont occupés. Et mais le Seigneur attire dans notre attention ce matin, frères et sœurs. Tu n'es pas être dans ce lot de ce que les nations ont fabriqué. Ils sont en train de paniquer, ils sont en train de craindre le jour de leur fête. Toi, chrétien, que cela ne te traverse même pas l'esprit, frère et soeur. Ça ne doit même pas passer dans ta tête. Parce que tu risques de te conformer à ce que les nations sont en train de célébrer, laissant de côté le vrai Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Parce que les nations sont en train, elles ont, c'est des signes. Ah, 25 décembre, premier. D'autres parlent de la traversée. Oui. Je traverse chaque jour. Mon frère qui est là traverse, ma soeur. Vous, nous, on traverse chaque jour. Alléluia. Parce que comme j'atteins déjà minuit, là, je commence déjà à glorifier le Seigneur. Amen. Acclame Jésus-Christ. Parce que je sais au moins que je suis déjà dans le nouveau jour. Chaque jour, moi, je suis là, je traverse. Amen. Je n'attends pas seulement un seul jour pour traverser par an. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Seigneur nous dit donc de ne pas être dans le respect de ses craintes.
Hein, au lieu de craindre Dieu, de craindre, avoir cette crainte pour l'éternel, notre Dieu, les gens sont en train de craindre les signes. Hein, les signes, les choses vaines de ce monde. Mais il nous met donc il met cela dans notre oreille. De ne pas nous conformer ou alors de ne pas attendre, respecter ce que les nations sont en train de faire. Alléluia. Il est également écrit dans Marc 7, verset 8. Ce sont les traditions des hommes. Faites de toutes pièces. Le 25 Noël, quelqu'un s'est assis. Imaginez un peu dans un village. Alléluia. Si je suis le premier, j'ai mes enfants. Peut-être il y a un autre voisin. Il quitte un autre village, il vient me trouver. Alléluia. Maintenant, dans l'année, je décide. Je dis, ah, tel jour-là, c'est mon jour de la fête dans le village. Mais toi qui vas venir, tu es dedans. Alléluia. Mes enfants qui grandissent, ils sont dedans. Est-ce que c'est Dieu qui a institué cette fête dans ce village-là? Ce n'est pas Dieu. Amen. Ce sont nous les traditions des hommes. C'est ce qui est écrit dans Marc 7, verset 8. Alléluia. Nous pouvons lire, frère. Parce que quelqu'un s'est assis, a pris une petite organisation, dit, fêtons Noël. C'est tout. Fêtons ceci, c'est tout. Les gens se sont associés, ils ont fêté et c'est devenu que c'est une fête internationale, une fête planétaire. Mais pour qui? Alléluia. Oui, une seule personne. Comment une personne peut décider et c'est tout le monde qui se cache derrière? Elle est-elle, cette fête est-elle divine? C'est la question qu'on devrait se poser, frères et sœurs. Cela qui fait, cette fête est-elle divine? Est-ce que ce n'est pas une fabrication des églises? Des églises, c'est les associations. Les gens se sont associés, ils se sont entendus. Mettons ceci comme fait. C'est tout. Et le Seigneur nous fait donc comprendre que ce sont les traditions des hommes. Et nous ne devons pas prendre plaisir à respecter ces traditions. Lisons Marc 7, verset 8. Elles sont nombreuses. Nous allons encore prendre un autre exemple, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Marc, oui, 7, le verset 8 seulement, frère. Je lis la parole de Jésus. Amen. Vous abandonnerez le commandement de Dieu. Oui. Et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes, frères et sœurs. Les commandements du Seigneur sont délaissés à côté. Parce que nous ne pouvons pas associer les deux. Ça ne marche pas. Amen. Parce que le Seigneur n'a pas dit d'aller fêter une certaine fête de Noël. Il ne l'a pas dit. Ce n'est pas ses commandements. Ça ne figure nulle part. Les gens se sont associés. Toi qui me regardes, il faut apprendre ça. Entends ça, c'est ce jour. Si tu es un religieux qui t'apprend, qui t'apprête à fêter, tu dois comprendre. Frères et sœurs, nous devons être vigilants. De ne pas faire quelque chose que les hommes se sont assis et ont fabriqué. Nous devons faire la volonté de notre Dieu. Nous devons obéir au Seigneur. Les traditions, c'est ça que les gens font. Mais que de faire les traditions des blancs là? Pourquoi nous les noirs, on n'a pas de traditions? Et pourquoi ces chrétiens disent que, ah, tel fait des païens, tel fait des païens, mais tout est la même chose, il n'y a pas de différence. Parce que seulement que ici c'est blanc, ici c'est noir. Alléluia. Voilà la seule différence. Ici, ce sont les blancs qui nous ont amené fin de Noël. Parce que c'est pas sorti de chez les noirs. Tu as laissé tes coulis ici à côté pour aller fêter les coulis des blancs. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Oui. Peut-être même tu fêtais ton coulis même qui est noir comme toi là, ça te, tu es même à l'aise. Comme les Chinois font leur Bouddha là-bas. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de différence, frère. Tu n'as pas à changer. Tu te dis chrétien, mais c'est juste pour quitter un pied là-bas, un pied ici, c'est tout. Il n'y a pas. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Oui. Tu es toujours un païen. Laisse-moi te dire ça ce matin, frère. Tu es toujours un païen. La sœur qui t'appelle à avoir les beaux habits des fêtes de Noël et du 1er janvier. Tu es toujours un païen. Il n'y a pas de différence.
Parce que le Seigneur dit, les traditions des hommes, vous voulez entendre quelle tradition? Ce sont des fabrications des individus. Ils ont mis des choses sur pied pour que les hommes puissent être distraits et ne pas faire la volonté du Seigneur. C'est tout. Ils sont distraits. On fabrique ces choses pour distraire les vrais serviteurs, les vrais servantes, les vrais enfants de Dieu. Ceux-là qui cherchent à être retirés par le Seigneur, attirés dans la maison. Ils sont toujours distraits, endurcis. On les envoûte. C'est ça la manœuvre de Satan. Mais les gens, le monde de ce dernier temps n'arrive pas à comprendre. Mais pour toi, frères et sœurs, le Seigneur te met en garde. Ce sont les traditions des hommes. Il ne faut pas te conformer à cette tradition. Toi, qui te dis chaque fête de fin d'année, tu vas d'abord aller fêter. Après, tu reviens maintenant commencer à servir le Seigneur. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Et malheur à toi, si au cours de ton voyage, pour aller communier avec les esprits là-bas, un malheur te trouve, le feu éternel t'attend. Frère, fais attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Oui. Et même surveiller les repas. Les voisins vont t'amener même à manger. Il faut t'assurer. C'est la nourriture de quel coin comme ça. Alléluia. Ne te dis pas que, oh, ah, le Seigneur a dit que bon, comme tu ne connais pas, il faut seulement manger. Alléluia. Oui. Mais tu connais que ce jour-ci-là, c'est le temps de fête. Ah, moi, je suis entouré de frères musulmans, par exemple. Mais je connais le jour de fête quand on m'envoie un plat de viande, que durant toute l'année, je n'ai pas vu un plat de viande. Subitement, c'est le jour de fête des moutons que le plat de viande vient. J'ai besoin de lire un roman ou bien un dictionnaire pour comprendre que c'est le mouton qui a été immolé. Je connais. Alléluia. Voilà. Frère, faisons donc très attention. Les traditions des hommes, fabriquées de toutes pièces. Je voudrais encore prendre un exemple d'une autre fête ici. On parlait de Saint-Valentin. L'histoire, si vous allez taper, vous allez comprendre que ce jour, les soldats se sont mariés et puis leur roi a dit que non, dans ce cas, restez chez vous, fêtez avec, réjouissez le cœur de vos femmes. Alléluia. Vous êtes nouvellement mariés. Mais où est le problème? C'est ce qui est d'ailleurs normal. Quand l'homme se marie, parfois, s'il est travailleur, on lui donne même quelques 2 ou 3 jours. Alléluia. Pour faire ce qu'on connaît, gloire au Seigneur Jésus. Pour glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même dit dans la parole. Oui, que l'homme ne soit pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Mais le Seigneur sait que quand l'homme et la femme sont quelque part, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur connaît toutes ces choses. Alors, lorsque nous allons dédier un jour pour dire fête des Saint-Valentin, des amoureux, ça va venir, les jeunes la connaissent ça. Nous allons revenir un jour, le moment venu. Gloire au Seigneur. Eh, nous connaissons. On réjouit le cœur de notre bien-aimé. L'on réjouit le cœur de notre femme, notre destinée, idée et vice-versa. Gloire au Seigneur et ça passe. Et nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Est-ce que nous avons besoin d'une fête pour faire ça? Alléluia! Ça veut dire que nous tous, les enfants de la terre là, c'est à l'occasion de Saint-Valentin seulement que nous sommes nés. Alléluia! Donc on nous a donné naissance ou alors on nous a fabriqué seulement le jour de Saint-Valentin. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, vous voyez, chaque jour, il y a des naissances. Chaque jour, on attendait seulement pour que l'homme et la femme aillent fêter pour faire un enfant, par exemple. Ça veut dire qu'on doit avoir quelques rares enfants sur la terre. Amen. C'est chaque jour, n'est-ce pas? De l'autre côté, là, c'est chaque jour. L'homme avec sa femme à la maison, c'est chaque jour. C'est la même chose que le Seigneur voudrait. Qu'on peut attendre de te réjouir chaque jour, là. Le Seigneur veut également que tu réjouisses son cœur chaque jour. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Oui. Tu es content de ta femme tous les jours. Le Seigneur aussi voudrait être content de toi de la même sorte. N'attends pas seulement un jour où tu vas célébrer ton soi-disant amour. Donc tu n'as jamais aimé ton conjoint durant toute l'année. 364 jours. Tu réserves seulement le 65e jour pour célébrer ou alors pour dire à ta femme, je t'aime, pour dire à ton mari, je l'aime. Oh, les hommes de ce monde. Et c'est quelqu'un qui
a juste dit, prenez ce jour, allez réjouir le cœur de votre bien-aimé. Et du coup, les gens disent que, mais voilà une occasion, on peut... Et c'est Satan qui dit ça. Mais voilà un jour comme celui-là, on peut toujours utiliser ça. Alléluia. Et dans ça, on va profiter pour faire beaucoup de choses. Les gens vont croire que c'est l'amour qu'on est en train de fêter, mais c'est Satan qu'on fête. Alléluia. Et là, il va donc prendre ce jour, tout ce que vous connaissez, votre vitalité de ce jour, vos semences de ce jour, et combien de jeunes filles vont perdre leur... Oh! Perdre ce qui est si cher, la virginité de la femme, ce jour. Alléluia. Quand je parle comme ça, il y a peut-être certains qui sont en train de pleurer. Parce qu'elles se rappellent que c'est ce jour, justement, qu'elles ont perdu ce qui leur est cher, que le Seigneur leur a donné de précieux, qu'elles peuvent offrir comme cadeau à leur mari. Amen. Oui. C'est dans la naïveté et nous vivons dans l'obscurité. Tel que le Seigneur nous dit dans Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Et ce jour donc, quelqu'un s'assoit et il a dit, bon, fallait fêter, soyez libre. Mais les gens ont pris ça, c'est devenu international. Alléluia. C'est même au village là, vous allez voir, c'est un jour, les jours de vous amoureux aujourd'hui, tu ne connais pas. Libre, toi-même qui est au fond du village, là, tu connais ça où? Jour des amoureux. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui. Les amoureux, c'est chaque jour. Amen. On doit se réjouir. C'est normal. Hein? Le proverbe dit, il faut que l'homme boive l'eau de son puits. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Mais tu ne vas pas attendre seulement un an pour boire l'eau de son puits. Gloire au Seigneur. Lisons Galates, frère, Galates 1, le verset 4. Nous avons été, bien-aimés, rachetés à un très grand prix et de très loin d'un monde noir, d'un monde de saleté. J'en prêche ce message. Quelqu'un comprend d'où il était. Il était en train de célébrer Satan. Il était en train de vivre les traditions des hommes sans le savoir. Alléluia. Lisons Galates 1, le verset 4. Galates 1, le chapitre 1, le verset 4. Oui. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Oui. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Un présent siècle mauvais. Selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a arrachés de ce siècle mauvais. Un siècle foncièrement mauvais, de toutes les abominations que vous voyez dans ce monde. Et le temps-ci, c'est un exemple palpable. Ce mois de décembre, ce mois de janvier, février, c'est les trois mois successifs. Vous allez voir, c'est un moment de renouvellement même des alliances. Tel que les gens sont en train de fêter sans le savoir. C'est les alliances qui sont en train de renouveler avec les démons. Et c'est le moment également de payer hein, pour renouveler ta force pour l'année prochaine. Et vous allez entendre, frères et sœurs, nous connaissons les fêtes de fin d'année. Ah, tel camion est tombé, tel bus a fait combien de morts, combien de cadavres. Les accidents, ça doit arriver. Mais, bien aimé, particulièrement lorsque les périodes sont ciblées, c'est les périodes où les gens sont en train de payer. Payer, n'est-ce pas, pour renouveler leur force spirituelle. Payer pour renouveler leur force satanique, mes frères. Toi, qui attends le jour du Seigneur, il sera ténébreux pour toi. Toi également, renouvelle ta force chaque jour dans le Seigneur. Alléluia. Renouvelle ta force et ta puissance chaque jour dans le Seigneur. N'attends pas un jour. Parce que ceux qui attendent un jour, ce sont ceux-là qui vendent les âmes. Ce sont ceux-là qui donnent le sang en sacrifice. Mais toi, frère et sœur, le Seigneur attend de toi le sacrifice de, que tu lui offres chaque jour par la louange de tes lèvres, les fruits de tes lèvres,
un sacrifice, il te veut un sacrifice vivant et saint. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tous les jours de ta vie. Glorifie-le, loue-le, adore-le. Célèbre Jésus-Christ. N'attends pas un jour comme ceux-là qui sont en train de célébrer. Et eux, vous voyez, c'est en ce jour ou même quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église. On parlait des fêtes chrétiennes, mais ce sont même les païens qui sont en train de fêter, alléluia. Ils sont en train de faire leur rattrapage également. Finalement, c'est quelle fête? Est-ce que c'est, on devrait encore dire comment pour que les gens ouvrent les yeux et voient, pour que les écailles tombent des yeux des gens et qu'ils comprennent qu'il y a la ruse de Satan là derrière. Allez dans les villages, même d'ici en ville. On suppose quand même que ceux qui sont en ville, c'est les populations venues d'ailleurs et autres. Quelques races sont autochtones. Peut-être c'est des travailleurs. Mais nous avons l'exemple de nos villages qui sont à côté là. Ces jours, c'est tout le monde qui est sous, d'ailleurs, de vin. Vous voyez la route là, quand tu roules, il faut bien klaxonner. Il faut bien klaxonner, sinon tu vas ramasser quelqu'un parce que quand la voiture vient là, c'est comme, ils voient ça comme un insecte qui est en train de venir. Toute la route là, c'est pour eux. On fait sur la route. Les moutons vont être immolés, les chiens vont être immolés, que ce soit dans les maisons des païens, dans les maisons des chrétiens. Tout est confondu. Voilà, dit-on, des fêtes qui plaisent au Seigneur. Heureusement, le Seigneur nous dit ce matin, je hais vos fêtes. Tout ceci, frères et sœurs, ce sont les distractions de ce siècle qui nous empêchent d'avancer. Vous allez voir maintenant quand on prêche même l'évangile à quelqu'un. Et il veut d'abord savoir, mais est-ce que chez vous là on fête Noël? C'est la question principale, alléluia. Quand tu dis non, nous nous fêtons, il dit que ça peut d'abord attendre. Ça peut d'abord attendre. C'est la distraction, frères et sœurs. Ça nous égare de l'objectif. Ça nous égare. Donc Satan crée des fausses pistes comme ça pour que l'œuvre de Dieu soit retardée. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et le Seigneur dit, il nous a donc arraché, nous qui sommes la fin. Pour que chacun ouvre bien ses oreilles. Je ne veux pas entendre que t'aimer, oh, on m'a invité dans la fête de Noël, je suis allé d'abord là-bas, mes amis m'ont invité. C'est votre problème, le Seigneur nous met en garde. Il dit, il nous a arraché d'un siècle foncièrement méchant. Ce sont les choses qui se passent de nos jours. Nous allons d'abord nous frotter là-bas, après on va dire que bon, on va voir comment on va renouveler maintenant bien. L'année arrive, c'est la même chose. Toi là, ça ne change jamais dans ta vie, frère. Ça doit changer. Quand on a quitté une chose, on a quitté. Il faut être décisif. Et le Seigneur nous parle. Si nous continuons dans Galates 4, le verset 9, frère, et ne plus y retourner. Et ne plus y retourner de ce siècle mauvais dont nous avons quitté. Et il est là. Ce siècle est toujours là. Si toi tu parviens à les quitter, le Seigneur te conseille ce jour de ne pas revenir, de ne pas y repartir. Alléluia. Oui, vas-y frère. Galates le chapitre 4, le verset 9. Oui. Mais à présent. Oui, allez-y. Mais à présent que vous avez connu Dieu. Oui. Ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Comment retournez-vous à ce faible et pauvre rudiment? Oui. Auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Amen, frère. On peut s'arrêter là. Qu'on comprenne ça bien. Qu'on soit enfant, femme, adulte, homme, serviteur, servante, ouvrier, simple croyant dans la maison du Seigneur. Écoutons cette parole avec attention. Mais à présent que vous avez connu, Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Je me dis si nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous avons connu Dieu, frère. Parce que surtout être à Jésus revient, venir chaque jour à Jésus revient. Ça veut dire que tu as connu Dieu. Où tu as été connu de Dieu.
Ça veut dire que le Seigneur t'a tendu la main, il t'a puisé de ce mauvais ciel, il t'a amené à lui. Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Acclamer pour la vie! Pour la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à Jésus revient. Amen. Oui. Nous avons été arrachés de ce mauvais siècle pour être dans la vie, pour être dans la lumière. À Jésus revient. Bien-aimé, le Seigneur te met en garde. Dans Galates 5, Galates 4, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, et plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? C'est-à-dire asservir, être esclave. Être esclave. À cause de quoi il y a la nourriture ces jours-là? À cause de quoi il y a à boire ces jours? À cause de quoi, on va m'offrir une pièce de pain. À cause de quoi, on va m'inviter à une petite soirée. Et après ça, il y a encore quoi? Rien, frères et sœurs. Mais ce qu'on aura porté, nous devenons esclaves, esclaves de quelqu'un. Parce que si on ne fait pas attention, on va répéter ça chaque année. Parce que c'est souvent, le Seigneur nous parlait des jours, des fêtes, des nuits et autres. Vous observez les jours, vous observez les mois, les temps et les années. Nous devenons un esclave. Ne dis pas que comme tu allais goûter aujourd'hui là, que demain tu ne vas plus y retourner. Oh, le Seigneur te dit qu'il t'avait déjà enlevé de ça, de ce lieu, de ce siècle mauvais, ce siècle présent. Mais toi, tu veux toujours être là-dedans. Faisons attention, frères et sœurs. Tout c'est des distractions. Restons focalisés. Restons concentrés sur l'objectif, sur l'œuvre de Dieu. C'est ça qui va nous amener au paradis. Alléluia! Oui. Mais si on est encore dans les distractions à gauche et un pied à droite, quelqu'un juge, nous dit au verset 23, à partir du verset 6, là où on n'allait plus ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, le Seigneur nous met en garde. N'y retournez plus. N'y retournez plus. Dans cette distraction de ce monde. Quand on entend aujourd'hui, on frasse, on sort là, on frasse, on jette. Alléluia. On entend, c'est bon, c'est bon. Ah, le prophète la parle bien aujourd'hui, parle bien. Ah, la parole est bonne, elle est puissante. Mais on sort là, allez, on frasse, on jette. Alléluia. Attention à nous, frères et sœurs. Même ceux-là qui écoutent. Si la parole te touche, donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, frère. N'est plus retourné au pauvre rudiment auquel le Seigneur nous a arraché. Alléluia. De ne plus aller être esclave. Et il n'est même pas d'ailleurs être esclave de quelqu'un. Ce n'est pas bien. Parce que tu vas faire ta sa volonté, tu ne feras pas ta volonté. Donc, le rudiment, laisser le pauvre rudiment laisser, c'est ce fait-là. C'est là où toi et moi nous étions. Toi et moi nous fêtions ce fait-là. Si toi tu ne l'as pas fait, moi je l'ai fêté, je suis né dans le catholicisme. Mon papa nous a rassuré que c'est grâce à l'église qu'il nous a donné vie. C'était temps. Nous attendons pour manger les moutons, pour manger les cochons. Chaque fête de Noël, alléluia. Nous savons qu'il y a deux. Fais quoi, il n'y a pas d'autres fêtes dans l'année. On va fêter en Noël, on va faire le rattrapage en janvier, alléluia. Mais le Seigneur nous a fait grâce, gloire à l'Éternel. Il nous a puisé donc de ces pauvres rudiments. Pauvres rudiments du siècle présent. Qui ne sont que plus cette simple et pure distraction. Qui nous égare du droit chemin du Seigneur. Bien-aimés, faisons attention. C'est là où dans, il est écrit dans le livre de Romains 12, frère, tu vas nous faire aussi la lecture, au verset 2, où le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer donc à ces choses, à ces siècles que nous traversons. Alléluia. Il est un siècle foncièrement mauvais. Donc le Seigneur nous conseille encore de ne pas nous conformer à ces choses qui sont contenues dans ce siècle présent. De plus distractions. Oui. Romains 12, 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 2. Et nous pouvons ajouter le verset 3. Bien-aimés du Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12, donc. Le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Oui, mais le Seigneur, de l'autre côté, nous dit, je hais le fait. Mais si aujourd'hui, ici, tu pars encore toucher à ces choses de fait, finalement, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Le Seigneur t'invite à le connaître. Alléluia. C'est la connaissance de Dieu qui va renouveler ton intelligence. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas évoluer dans l'obscurité. Tu vas rester toujours bête comme tu étais avant. C'est comme tu n'as jamais eu un enseignant dans ta vie. Oh, le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner toutes ces choses. Alléluia. Comme ce jour. Amen. Il nous révèle des vérités cachées qu'on n'arrive pas à cerner. Amen. Le Seigneur nous demande donc que nous soyons transformés. Et nous devons donc avancer pour vivre de tous les jours dans la lumière. Nous devons avancer. C'est le renouvellement de notre intelligence avec le Seigneur. Et chaque fois qu'on écoute des messages pareils, notre intelligence augmente. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu à nous vivifie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Romains 8, verset 18 nous dit, la souffrance des siècles n'est pas égale à la gloire. Alléluia. Nous allons, oh, bien-aimés, la souffrance. Peut-être que vous ne voyez pas comment, quand je prenais l'exemple de ce 25, parfois dans les villages, comment les soulards sont en train de dandiner sur la route, ils vont à gauche, ils vont à droite, tout est pour eux. Qui t'a frappé comme ça, frère? Pourquoi tu te donnes tant de la souffrance? Alléluia! Pourquoi tu te donnes tant de la souffrance? Est-ce qu'on peut comparer ces souffrances de ce siècle à la gloire du Seigneur qui nous attend, frère? Hein? On se donne trop de la peine. Les gens souffrent. On ne dort même pas. Les parents sont en train de réfléchir en ce moment. Comment il faut faire? D'autres vont voler durant ces jours-là. C'est les braquages dans la vie. Des tueries dans la vie. Juste pour les plaisirs de ce monde, de ce siècle-là. Pas grand-chose. On se donne trop de la souffrance. On risque de nos vies. On peut même mourir dans la... Quand tu pars agresser les gens. Toi aussi, tu peux être tué. Parce qu'il y a une copine qui t'a demandé, elle veut un gros mouton cette fois pour la fête de Noël. Alléluia. Tu es un esclave. À quoi vaut cette souffrance, tant, frère, de ce temps-ci? Est-ce qu'on peut la comparer à la gloire que le Seigneur nous réserve, frère? Nous devons écouter ça. Qu'il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. La gloire de l'Éternel. Que nous chantions tout à l'heure. Qui se répand là où deux et trois sont réunis, qui chantent. Elle est là au milieu de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette même gloire nous attend en vrac dans les cieux. Frère, ne nous perdons pas de vue, n'allons pas dans la souffrance, ne restons pas à souffrir dans ce monde, dans ce siècle présent, dans cette distraction pour rater la gloire du Seigneur. Elle est grande, la gloire. Elle est très grande. Faisons grande attention. Le Seigneur parle au Matthieu 6 dans l'évangile de Matthieu 6, 13. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. C'est la chose importante, frère, dans ce temps-ci, dans ce siècle mauvais. Cherchons ce qui est précieux. Cherchons ce qui est bien, le royaume des cieux. Laissons les distractions de ce monde, de ce siècle présent, qui nous aveugle. Tous les temps, ça nous aveugle, frère. Ça nous aveugle. Mais le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Frères et sœurs, soyez bénis ce matin. Alléluia. On ne peut rien à être devant le Seigneur. C'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose qu'il soit même qui apparaît même dans notre vie.
c'est être sous la grâce de Dieu. Et il se laissait arroser par la puissance de cet esprit. Alléluia. Oui, c'est la meilleure des choses. Ainsi, nous cherchons comme ça le royaume des cieux. Et si nous ne nous conformons pas au siècle présent, nous devons chercher le royaume des cieux. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Premièrement, c'est ça. Et pour arriver là, il faut rester focus. Il faut rester dans l'objectif. Ne regardez pas les choses à gauche, à droite. Est-ce que je suis en train d'avancer avec Jésus-Christ? Est-ce que je suis en train d'aller faire ce qui est bien? Les regards à gauche, à droite, ça ne nous sert à rien. Qu'est-ce que le voisin a égorgé pour la fête de novembre? Qu'est-ce que ça, ma copine s'il apporte aujourd'hui? Ça ne te sert à rien, frère et sœur. Ça ne t'amène nulle part. Ah, le père de papa, il a lui acheté telle chose pour la fête. Et moi, papa, toi, tu vas m'acheter aussi quoi pour la fête? Tu n'as pas besoin de fête. Et t'es enfant de Dieu, frère. Tu n'as pas besoin de ces choses. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, frère. Le Seigneur te demande plutôt de chercher, n'est-ce pas, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et si nous remontons un peu, comme le Seigneur ne prend pas plaisir aux offrandes, aux sacrifices de ce monde, dans Hébreux 13, le verset 15, il est écrit, le Seigneur prend plutôt vers un sacrifice de louange, des paroles de nos lèvres. C'est ça que le Seigneur veut. Et il est écrit aussi dans Romains 12, le verset 1, le premier verset. Frère, tu vas nous faire cette lecture. Oui, 12, le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Il n'attend pas de nous des sacrifices de fête, des sacrifices décisifs, des distractions vaines de ce monde. Le fait qui nous éloigne des fausses pistes que Satan crée pour nous faire tomber, frère. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Il attend qu'on lui offre notre corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire faisant son œuvre chaque jour, faisant sa volonté chaque jour, obéissant à l'Éternel avec crainte et tremblement, chaque jour de notre vie. C'est pourquoi il est écrit donc dans Hébreux 12, 14, recherchons la paix avec tout le monde et la sanctification de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Sans ces choses, nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. Alléluia. C'est des choses. Quand tu pars là-bas, tu te suis. Quand tu ne fais pas la volonté, tout ce que le Seigneur on prêche, toi tu prends, tu jettes ta sanctification là. Recherche la paix. Recherche la sanctification. Sans ces choses, nous n'allons pas voir le Seigneur. Les distractions viennent de ce monde, de ce siècle présent, frères et sœurs, en ces jours, en ces mois, les mois qui suivent encore, c'est consacré pour les fêtes. Les distractions, si, ce sont les fêtes. Il y en a beaucoup d'autres formes de distractions. Mais pour ce jour, ce sont les fêtes. Et c'est un appel à la prise de conscience pour les chrétiens qui ont encore les vieilles semences. Qui n'ont pas jeté le vieux manteau qu'ils avaient détruit. Le vieil homme ne les a pas totalement quittés. C'est-à-dire leur foi en Jésus, une foi douteuse, une foi ballottante, un pied dans les traditions, un pied dans la sainte doctrine, un pied chez Satan, un pied dans la sainte doctrine. Mais il va falloir faire un choix. Alléluia. Tu dois opérer, frères et sœurs, un choix définitif
et toi qui es dedans, que cela ne soit pas des tentations, comme on est en train de parler de fête ces jours-là. Que cela ne soit pas une tentation pour toi, pour que tu aies tenté Jésus-Christ. On ne tente pas le Seigneur. Tu vas essayer, tu vas caler là-bas. Alléluia. Ne tente pas l'Éternel. Obéis. Écoute et obéis le Seigneur. Ce sont ses commandements que tu dois mettre en application. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse puissamment sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Bien-aimé, si tu sais que ton Dieu est vivant ce matin, nous allons encore chanter. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia à tous. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Tous nous confessons. Et tout le monde confessera. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. L'Éternel est vivant. Il vit. Il est Dieu. Il est content. Il est notre Dieu. Donc Jésus. Il n'est pas un homme légal. Un Dieu coconut. Un Dieu de puissance. Un Dieu de puissance. Seigneur, quand tu nous as rachetés de ce siècle mauvais, pour nous amener dans la lumière, comment ne pas reconnaître ta divinité? Comment ne pas reconnaître ta grandeur? Tu es puissant, Seigneur. Tu es roi de roi. Alléluia. Roi de gloire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen.
Ces compassions ne sont pas les termes éternels. Et c'est des nouvelles pour tes enfants. Cela qui marche à ta quelle puissance. Seigneur Jésus, tu ne prends pas plaisir au jour de Christ, au sacrifice de ce monde, Seigneur. Oui, et tu prends plaisir au souvenir, à la même, qui t'adore, qui t'adore, qui te célèbre. Nous allons plaisir. Pour ce message, Seigneur, Dieu vigilant, Seigneur, ce moment. L'administration de cet dernier temps, de ce moment siècle, Seigneur, tu nous mets, oh Dieu, Papa, oh Éternel, tu es qui va, oh Seigneur Jésus, tu nous mets, Papa, oh Dieu, tu nous fais vivre encore, Seigneur, ne laisse pas nous confier, oh Dieu, ne laisse pas nous, alléluia, mélanger ce siècle mauvais, ce siècle mauvais. Seigneur, tu nous as amené à la lumière. Papa,
tu nous as amené à sanctifier. Père, nous te prions ce jour. Seigneur Jésus, afin que nous ne puissions plus nous y retourner et ne plus aller dans ce régiment pauvre de ce monde. Le feu de feu, le feu Seigneur, venez, appuyez devant nous. Enseigne-nous, mon Dieu, mon roi, ton peuple meurt, ton peuple meurt, ton peuple est détruit, par manque de connaissances, Seigneur. Oh, éternel, nous l'avons versé là, Christ est Amen.
Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir dans ces jours. Papa, puissamment pour ces jours. Seigneur, puissamment pour ces paroles. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères, pour nos frères, Seigneur, qui sont derrière, qui sont dans les noirs, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui sont en train de pécher, qui sont en train de se conformer à ces siècles présents. Pitié, Seigneur, nous voulons que tu les tires de là, et tu les amènes à la lumière, tu les amènes à la lumière, tu les amènes à la lumière. Ces derniers temps,
Jésus, bien-aimé, tu vas élever la voix pour remercier le Seigneur Jésus-Christ pour ce moment de gloire. Nous sommes dans la prière. Éternel, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Papa, pour l'écouter ta parole, Éternel, tu t'es puissamment glorifié dans ce message, Seigneur, qui va toucher une vie, mon Dieu, mon roi, qui va, oh Dieu, changer, Seigneur, le cœur d'une âme. Papa, ton nom soit glorifié ce matin. Merci, Père, parce que tu nous parles encore ce matin. Éternel, des distractions mondaines. Seigneur, le fait auquel toi, tu ne prends jamais plaisir. Seigneur, l'holocauste, les sacrifices, les offrandes, Seigneur Jésus, qui ne t'honore nullement. Seigneur, tu nous conseilles l'obéissance. Écoute l'obéissance, Seigneur. Papa, afin d'être sauvé de la souffrance de ce siècle mauvais, de ce rudiment mauvais de ce dernier temps, de ce siècle présent, afin de goûter à ta gloire. Oh Seigneur, tu nous appelles à la paix avec tous. Tu nous appelles à la sanctification. Seigneur, à offrir notre corps en sacrifice vivant et saint, Seigneur, pour te plaire, pour te glorifier. Seigneur Jésus, pour qu'enfin, glorieux Papa, que nous soyons renouvelés, ô Dieu, notre intelligence et sagesse divine, Papa, soit renouvelé en toi. Seigneur, qu'enfin que notre esprit vivifie. Oh, Éternel, tu te glorifies ces jours. Pour tes enfants que tu as puissamment béni, Seigneur, par ta parole. Seigneur, tu es digne, ô Éternel. Tu es digne d'élévation et de gloire. Tu es digne de l'honneur. Comment ne pas te magnifier, comment ne pas te célébrer. Seigneur, par le fruit de nos louanges, Seigneur, de nos lèvres. Merci, Papa, pour ce jour. Tu es béni, tu es élevé. Seigneur, tu es exalté. Oh, le chemaradash kadavros. Baradash kadavros, sokondosh. Arabarash kenese kele deshe. Barabos, sondros, andarababashe kadavros. Arandrashe kadavros, et delebos, sokondros. Ereideshe kadavros. Arabaradashe kadavros. Orodoshe kadavros, andabrodoshe. Arabandashe kenderebos, sokondros, andaraba. Alana sakara broche kalandra sada bosso orona sheke de bosso narasha ele barana sekandara bosso ko orondo shandara kalabrenesh ele rekele drosandara bosso kondro sandara alleluia 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 alleluia. Alléluia, alléluia. Il est vivant, amen. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant, c'est pour l'éternité, amen. Il est vivant, amen. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant, c'est pour l'éternité. Amen. Il est vivant. Ah, il est vivant. Jésus-Christ est vivant, c'est pour l'éternité. Amen. Il est vivant. Amen. Vivant, Jésus-Christ est vivant, c'est pour l'éternité. Amen. Jésus vivant, il est vivant. Jésus-Christ est vivant, c'est pour l'éternité. Amen. Il est vivant. Il est
Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci yo, merci Jésus. Merci yo, merci yo, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci yo, merci Jésus. Merci yo, merci pour ton amour. Merci, merci Jésus. Pour ton amour, merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci yo, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci, pour ton amour. Merci, 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 pour ton pardon. Merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci yo, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci yo, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci yo, merci Jésus. Merci yo, merci pour ta puissance. Merci, merci, merci pour ta présence. Merci, merci, merci Jésus.
merci yo, merci yo, merci Jésus, merci yo, merci, merci Jésus, merci, 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 merci Jésus, merci, merci, merci Jésus, merci yo, merci yo, merci Jésus, merci yo, merci yo, merci Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Que notre bien-aimée, la sœur Esther, prie pour les offrandes. Père, nous te disons merci, nous te célébrons, nous t'adorons. Père, tu as permis que nous puissions venir dans ta maison. Père, nous sommes donc venus te présenter nos offrandes et nos dîmes. Éternel Dieu, nous te prions de purifier, de sanctifier. Papa, toi-même, tu connais où ces offrandes sont les sept dîmes. Papa, nous implorons ta grâce. Père, que tu sanctifies ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Que tu sanctifies ces dîmes au nom de Jésus. Amen. Papa, comble-nous de tes biens. Pense à ceux qui n'ont pas donné, que tu leur donnes prochainement. Amen. Et qu'ensemble, nous puissions t'adorer par les biens que tu nous donnes. Amen. Reçois la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez fortifiés. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Vous qui nous voyez, vous qui nous observez, d'où vous êtes, soyez bénis et soyez fortifiés. Gloire à Jésus. Nous sommes presque à la fin de notre culte de ce jour. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie en ce jour. Et nous disons que nous sommes au phase des témoignages. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi, a fait dans ta vie, a fait même dans la vie de tes proches. Le Seigneur, pour te faire du bien parfois, n'a pas toujours besoin de passer par toi. Alléluia. Il peut aussi passer au-delà de toi. Gloire à Jésus pour te bénir, pour te faire du bien. S'il y a un témoignage qui glorifie le Seigneur Jésus, le temps est donné. Et nous associons, et suite à ces témoignages, les annonces du jour et de la semaine. Gloire à Jésus. Amen. S'il y a un témoignage, nous l'attendons. Et s'il n'y en a pas aussi un témoignage, nous allons poursuivre avec les annonces. Alléluia. Je crois que, à notre niveau ici, les annonces de la semaine, que nous avons le culte de la prière, nous réunissons ici pour la prière, le mardi, à 16h30, et le vendredi pour l'enseignement, à 16h30 également. Alléluia. Gloire à Jésus, toi qui nous vois, toi qui nous observe, si tu as le temps et si tu es aussi tout près d'ici à Marois, tu peux venir nous rejoindre, faire le culte ensemble dans la semaine et encore le dimanche. Gloire à Jésus, nous t'invitons à être là, si tu as la possibilité. Et je ne sais pas, alors pour les autres hommes de Dieu, s'il y en a une annonce. Gloire au Seigneur Jésus, nous voulons apporter les nouvelles des frères aussi, le pasteur Jean-Pierre qui est du côté de Yaboua et qui n'a pas fait le déplacement ce week-end. Je ne sais pas s'il est allé à Douala, mais je ne pense pas parce qu'on n'en a pas parlé. Moi-même, j'étais tellement en voyage ces jours-ci, toujours dans les voyages. Et je suis un peu tard dans la nuit, presque 22 heures. Donc, je n'ai pas eu vraiment véritablement le temps de bien préparer les cultes sur l'étendue de la région. Parce que souvent, on essaie de voir comment on peut faire pour satisfaire toutes nos cellules et églises. Alléluia. Bien, j'espère qu'il sera là dans la semaine et pour continuer avec l'œuvre de Dieu. C'est le congé aussi
Donc, il sera permanemment sur place. Et c'est un tour aussi pour moi, une occasion aussi pour moi d'aller réveiller aussi les peuples de Dieu qui se trouvent aussi ailleurs. Amen. Donc, de réveiller aussi un peu, d'aller dans les cellules, aller d'abord à Tukula et voir la situation. Parce que l'homme de Dieu qui est là-bas voudrait rejoindre son village. Et voir aussi comment on peut s'organiser avec l'ouvrier qui est arrivé tout dernièrement dans le secteur. Donc, s'organiser avec lui, comment on peut faire pour qu'il puisse tenir entre-temps. Et lui qui est d'ailleurs un évangéliste en herbe, qui est même en train de crier presque une cellule encore à presque plus de 10 km de Tukula, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc si on parvient aussi à l'équiper, il peut aussi venir servir à Tukula, aller toujours couvrir son village. Et pour ma part, donc je crois que le week-end qui vient, donc, je ne passerai pas, j'aurai d'abord un programme de retraite spirituelle à la semaine, il n'est pas encore défini le jour. Et en même temps, je partirai à Tukula. Donc, comme je vous ai dit, le week-end qui vient, donc, le dimanche prochain, ce sera le pasteur qui sera sur place. Et l'autre week-end aussi, je profite une fois parce que partir là, c'est partir. Même si je reviens dans la semaine, comme beaucoup ne viennent pas souvent, qu'on prie ensemble, il peut arriver que je sois là, on ne se voit pas. Donc, l'autre week-end également, je risque d'être du côté de Garoua pour apporter les échos du comité de ce côté, puisque je suis pour le moment responsable de la zone du Nord. Donc, en tout cas pour les nos régions, les trois régions, donc, au niveau du comité. On a beaucoup pris des décisions. Bon, ici, nous, on en a commenté quelques-unes, mais à leur niveau, bien vrai, j'ai causé brièvement au téléphone, mais ils ne sont pas suffisamment imprégnés. Donc, il faut que j'arrive et je transmette aussi les instructions telles que paroles d'exhortation, d'édification, tout ça. Ça va également aider pour le réveil. Gloire au Seigneur Jésus, dans l'autre week-end, qui est le week-end prochain. Voilà un peu dont je ne peux revenir qu'ici après peut-être du dimanche, sauf s'il y a un changement de programme, sauf s'il y a un changement. Voilà un peu mon calendrier et je vous exhorte à plus d'éveil dans ces derniers temps, comme le message l'a dit, et trop plus aussi à la discipline envers le Seigneur. C'est dans la discipline qu'il y a l'obéissance. Si on n'est pas discipliné devant le Seigneur, on ne peut pas aussi obéir. Les deux vont de pair. Donc voilà quelques nouvelles. C'est pourquoi on a même écouté l'émission hier à la radio. Parce que je n'étais pas là, je n'avais pas aussi prévu. Je crois que le frère Jean-Pierre était là, lui aussi. C'est à la veille qu'il me dit qu'il n'était pas là. Et le programme de voyage, je savais peut-être que 18h, on devrait être là. Mais aller à Yahoua, revenir, c'est pas évident. On est revenu tard, 20h déjà. Voilà un peu. Et je ne sais pas les nouvelles des autres évangélistes. Josué, il est déjà reparti en mission. Pas encore. Il est où? Il est rentré. Ah, ok. Gloire à Dieu. Et voilà tout ce que nous pouvons savoir. Nous devrions attendre un bien-aimé qui devrait être là ce matin. Il n'est pas revenu. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce jour. Alléluia, alléluia, amen. Nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds. Et à titre de rappel aussi, comme la fois dernière, nous devrions faire quelque chose pour soutenir le réveil du côté de Cotonou. C'est ce qui va être fait dans nos petites enveloppes. Nous allons essayer de voir ce que nous avons. Prélever une petite partie que nous allons envoyer. Nous avons désormais des engagements qu'il faut respecter. Et un peu, les hommes de Dieu de ce côté, nous nous occupons aussi d'eux.
de temps en temps, et voilà aussi d'autres besoins qui sont arrivés, le comité et le réveil. Il faut les soutenir. Et entre-temps, nous-mêmes, nous devons évoluer. On ne doit pas attendre les gens, mais on peut évoluer avec les projets. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous disons merci au Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous allons ouvrir la Bible, lire le psaume 23, proclamer. Le psaume 23, après quoi nous allons tenir nos mains vers le ciel pour recevoir les bénédictions. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Proclamons ça avec vie, frère. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu onduis ma tête. Tu onduis ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia, amen. 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 Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, des bénédictions et des merveilles. Ton peuple réuni ce jour. Seigneur, venu pour espérer la miséricorde, espérer de voir ta compassion, espérer, Seigneur, aux nombreuses grâces et des privilèges et des faveurs que tu as apprêtées pour eux. Seigneur Jésus, c'est ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous ce matin. Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci et être reconnaissant en ce jour? Nous te bénissons, nous te donnons gloire, mon Dieu, mon roi, parce que tu es vivant. Oh, Yahweh de gloire, que tu es éternel, tu es le père des orphelins, le mari des veuves, Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, merci, infiniment merci. Seigneur, pour nous, papa, qui étions des pécheurs, tu nous as arrachés de ce mauvais siècle pour nous amener à la lumière dans la sainte doctrine. Seigneur, merci de nous sauver des fêtes mondaines qui sont les traditions des humains. Père, tu es véritablement notre Dieu. Oh, Éternel, que tu sois loué, que tu sois béni, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as également arrachés des mauvais rudiments du siècle présent
quelles sont les distractions mondaines, par les fêtes païennes qui ne t'honorent pas. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Seigneur, si tu ne nous avais pas arrachés, nous devons être destinés à l'abattoir, comme à la boucherie, Seigneur Jésus, oh, condamné à l'enfer éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, oh, éternel, nous te célébrons. Nous te donnons encore, Seigneur Jésus, par cette prière, les fruits de nos lèvres, pour te célébrer. Seigneur, toi qui veux, oh Dieu, que nous t'offrions notre corps en sacrifice vivant et saint, agréable à toi, Dieu. C'est ce que, Seigneur, tu vas nous accomplir, tu vas nous enseigner. Nous voulons ainsi quitter ce lieu. Papa, après avoir reçu les grâces, reçu les bénédictions, Seigneur Jésus, avant avoir été également éclairé, Seigneur, tu as ouvert nos yeux, Seigneur, sur ces mauvaises distractions de ces siècles, de ce temps, des fêtes, des fins de l'année. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons partir. C'est pourquoi, ô éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, nous voulons à présent que les églises et les cieux s'ouvrent sur tes enfants ici. Seigneur, que tes bénédictions pleuvent sur chacun de nous ici au nom de Jésus-Christ. Papa, que tout ce qui a été débloqué, bloqué dans leur vie, qu'ils reçoivent tout au long de ce dernier temps au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, là où il y avait obstacle, Seigneur, pour trouver un travail, je prie en ce moment, Seigneur, que ces blocages soient levés au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, là où la foi de quelqu'un est douteuse, éternel Dieu tout-puissant, j'implore, Seigneur, ta bonté sur la vie, ô Dieu, d'une sœur, d'un frère, que, Seigneur, sa vie reparte sur des nouvelles bases au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je prie, mon Dieu, mon roi, tous ceux-là qui vivent dans le manquement d'ici ou d'ailleurs, Seigneur Jésus, fais quelque chose. Mon Dieu, mon roi, les portes des bénédictions s'ouvrent dans leur vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, papa, il y a beaucoup qui cherchent à voir les fruits de leurs entrailles. Seigneur, en ce moment, tu débouches les trompes de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie également, beaucoup cherchent avoir une compagne, avoir un compagnon pour la vie. Toi qui as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Idem également, il n'est pas bon que la femme soit seule. Seigneur Jésus, je prie, oh mon Dieu, mon roi, papa, que tes enfants soient bénis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons avancer sur le droit chemin. Là où il y a le ténèbre, tu vas ôter, Seigneur, la barrière au nom de Jésus-Christ. Là où il y a les montagnes et les obstacles de Satan sur nos chemins qui nous empêchent d'avancer, ô Dieu, dans la vérité. Tu vas les briser et les neutraliser au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y a le piège tendu de Satan, les ruses pour nous amener dans la chute, pour nous amener, retourner, ô Dieu, nous faire retourner dans le mauvais siècle présent. Seigneur Jésus, tu brises l'esprit des pièges maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, c'est le moment des sacrifices démoniaques en ce temps. Je prie, Seigneur, et je couvre, ô Dieu, que les hommes ici présents et d'ailleurs soient plongés dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Tu es loin de nous, mon Dieu, mon roi. L'esprit d'accident, l'esprit de mort, l'esprit de trouble, Seigneur. L'esprit d'attaque mystique dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, les sorciers rôdent pour voler les hommes dans ce temps, pour faire plaisir à leur divinité. Seigneur, papa, l'esprit de Dieu veille sur chacun de nous, nous couvre, nous protège contre tout envoûtement. Seigneur, que ce soit par la nourriture qui seront propagées, qui seront, papa, ô Dieu, ô éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ces nourritures envoûtées qui nous seront présentées à nous, à nos enfants, à nos petits frères. Seigneur Jésus, que cela, ô Dieu, soit sanctifié d'avance par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Là où il y a la ténèbre, tu mets la lumière devant nous. Accompagne chacun de nous dans les bonnes conditions. Dans la joie, nous sommes venus te célébrer ce matin. Seigneur Jésus, dans la paix, tu vas également raccompagner chacun dans sa demeure. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui sont ailleurs, qui ne sont pas ici parmi nous. Seigneur, je prie, ô Dieu, les mêmes bénédictions qui nous sont déversées comme des fraîches rosées ce matin,
leur soin, également leur partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous appelles à la paix, à la sanctification. Seigneur, que tu mettes dans notre cœur un esprit de douceur et de paix avec tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et que nous veillons sur nos vies. Nous veillons à la sanctification de notre corps, de notre âme et de notre esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie également sur le moment, oh Dieu, où il y a des mauvaises compagnies qui vont chercher à nous tenter. Seigneur Jésus, je prie que tes enfants ne soient pas mélangés à la communion des démons en ce dernier temps au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, voilà ton peuple. Venu, Seigneur, oh Dieu, t'obéir, respecter, Seigneur, ta parole, tant que tes commandements ce matin. Ils sortiront que l'amour de Dieu soit leur partage partout au nom de Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur qui surpasse toutes choses soit également votre partage bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur et la gloire, notre Dieu. C'est dans le précieux nom de l'Éternel Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez fortifiés. Vous également nombreux, sans cela, les fidèles qui nous suivent chaque fois, que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Et le temps sont mauvais, bien-aimés, veillons sur nos âmes, veillons sur nos vies, protégeons nos vies et restons loin des distractions vaines de ces derniers temps-ci, qui sont les célébrités, les célébrations de fin d'année et qui sont, n'est-ce pas, pleins de pièges. Bien-aimé, fais attention, prends garde à toi, le Seigneur te dit, tu n'es pas te conformer au siècle présent. Cette même parole te concerne. Sois béni, sois fortifié. Shalom, 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 shalom. Bye bye.